Anne, je viens de Bretagne. J'ai un univers, on va dire, celtique, breton, mais aussi contemporain. Survivre, c'est juste une question en fait, c'est « et si ?» Et si, comme ça, en une seconde, il n'y avait plus d'adultes. Donc ce n'est pas un roman sur pourquoi il n'y a plus d'adultes, puisque ça a déjà été traité par d'autres auteurs. C'est plutôt un roman sur comment. Comment on ferait aujourd'hui dans le monde actuel, dans des lieux qui existent, puisque le début du roman se déroule à Rennes, dans une ville avec des ados d'aujourd'hui, comment se passerait une survie? Comment est-ce que feraient des ados et des enfants pour s'organiser voilà. Je ne connaissais pas du tout l'auteur avant, et ça a été vraiment une super surprise dès les premières lignes. J'ai vraiment accroché à son écriture. On voyage vraiment, personnage attachant. La construction est très sympa, après la couverture. La couverture, ouais, donne envie vraiment de le lire. Ouais. Je m'appelle donc Olivier Gay, j'ai 37 ans, ça fait 4 ans que j'écris à temps plein. J'ai commencé par des romans policiers aux éditions du Masque qui m'ont permis justement de quitter mon métier et d'écrire à temps plein. Depuis peu, j'écris également donc des romans jeunesse pour Rajo, toute une série qui s'appelle Le Noir et ma couleur, qui marche très bien, qui a eu plein de prix collégiens et lycéens, qui est la raison pour laquelle je suis aux Imaginales aujourd'hui. Le Noir et ma couleur, pour ceux qui connaissent le film, c'est Grease, mais avec des pouvoirs magiques. Ceux qui connaissent pas le film, c'est l'histoire d'une fille un peu trop sage au lycée, d'un garçon un peu trop turbulent, sauf que le plus dangereux des deux n'est pas celui qu'on croit. La fille possède des pouvoirs magiques assez sombres, alors que le garçon, lui, se retrouve dans cette histoire alors qu'il n'a rien demandé. Et ils vont être obligés, alors qu'ils ne se supportent pas, de devoir se serrer les coudes pour affronter un certain nombre de menaces. C'est dynamique ce qu'il écrit et on est tous dévorés. Je m'appelle Charlotte Bousquet, je suis autrice et du coup aussi directrice de collection. J'ai écrit une quarantaine de romans dans des genres aussi différents que la fantasy, les romans historiques, le récit contemporain et des scénarios de bande dessinée. Je suis quelqu'un qui est généralement assez engagé dans ce que j'écris, avec le féminisme, la question du genre et ce qui est lié à la nature, l'environnement, les animaux. Alors je viens de sortir chez Rajo un roman qui s'appelle Tant d'étoiles dans la nuit, qui me tient particulièrement à cœur. En fait, il creuse, je dirais, tout ce qu'il y a de malsain dans l'âme humaine. C'est donc inspiré personnage de donjon, c'est vraiment, j'en ai fait un roman noir. Et j'essaye de voir en fait jusqu'où peut aller dans le mensonge et jusqu'où les gens peuvent aller dans l'aveuglement. Avec Charlotte, maintenant c'est vraiment une grande histoire, j'adore sa façon d'écrire. C'est court, c'est incisif, mais c'est bon. Je m'appelle Samantha Bailly, je suis romancière et scénariste. Je suis l'auteur maintenant d'une douzaine de romans, de 2 contes pour enfants, dans des genres aussi variés que la fantasy, la littérature contemporaine, le thriller, la jeunesse. Je suis auteur chez Rajo de Nos âmes jumelles, Nos âmes rebelles et Happy Loopers. Nos âmes jumelles, c'est l'histoire de 2 jeunes filles, Sonia et Lou, qui en fait se rencontrent sur un forum de discussion. Toutes deux ont des passions, l'une l'écriture, l'autre la lecture, et ensemble, elles vont décider de faire un projet de bande dessinée. On sait que 10 ans plus tard, elles ont réussi et qu'elles sont auteurs professionnelles, mais là tout de suite, on les suit dans le cadre du lycée, de l'adolescence et de toutes les questions que ça pose. S'identifier au personnage, moi j'ai une meilleure amie, donc du coup j'ai revu la naissance de notre amitié. On en ressort avec le sourire, on a envie de le partager.